Ici, c'est l'emplacement où il y avait l'orchestre du camp qui jouait. Et il jouait des airs à la mode et des marches militaires. Simplement, ce n'était pas du tout récréatif. C'était pour la sortie des commandos du camp. En fait, chaque air que l'orchestre jouait correspondait à un commando. Bon, dans le camp ici, il y avait entre 20 et 25 000 prisonniers. Il fallait les faire sortir en rang, donc d'une manière militaire. Et les nazis avaient trouvé l'astuce. Donc, chaque air correspondait à un commando. Donc, nous qui étions dans les blocs, au pied des blocs et qu'on attendait pour sortir, quand on entendait notre air pour notre commando, on se mettait en marche, on rentrait dans la file, on devait obligatoirement marcher au pas. Et ne pas regarder ni à gauche ni à droite, parce qu'en face de l'orchestre, il y avait des officiers qui regardaient sortir les commandos. Et puis alors, quand on passait devant les officiers, le caporal du commando de travail, qui était donc à côté de son commando, hurlait « Mutzen !» Et alors on avait le réflexe d'aller vers ce bonnet qui était « Mutzen !» Et puis alors, quand on sortait du camp, on avait Mützen auf, et là, les soldats SS entouraient le commando pour aller vers le travail. Ça, c'était l'orchestre du camp.